Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Disait Socrate. En effet, la nourriture est indispensable à la vie. Comme l'essence qui fait avancer une voiture, la nourriture nous apporte l'énergie qui nous sert à marcher, courir, parler, monter les escaliers, mais aussi à des choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, grandir, réfléchir ou même cligner des yeux. Un sportif de haut niveau aura besoin de manger plus que quelqu'un qui reste devant la télé. De même, une femme enceinte aura besoin de manger plus pour alimenter son bébé. La nourriture nous sert aussi de matériaux de construction, comme les briques ou le ciment dans une maison. Mais est-ce qu'on mange uniquement pour vivre ? On mange aussi par gourmandise. Est-ce que t'as vraiment faim quand tu t'enfiles un paquet de bonbons à la récré ? Et puis des fois, on mange juste par habitude, parce que c'est l'heure de manger. Les repas sont aussi une occasion pour se retrouver en famille, avec des copains. Ce sont des moments de partage, des moments où on peut aussi célébrer des événements. On mange donc pour vivre, par plaisir et pour se regrouper. Mais qu'est-ce qui guide nos choix alimentaires ? La pub influence notre alimentation. Nulleta ! La pâte à tartiner ? Que vous ne pourrez qu'adorer. Il y a aussi notre médecin et notre entourage qui nous conseille et nous surveille. Quand tes copains sortent de la cantine en te disant... Tu auras plus de mal à trouver le repas à ton goût. Manger c'est vital, mais le plaisir passe avant tout. Alors bon appétit.